Bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais, normalement je devais vous poster un vlog la semaine dernière, cependant j'ai été assez prise et vous allez comprendre pourquoi. Mais sachez que ce vlog marque le retour des vlogs. Comme je vous ai dit, je pense sur Instagram, mais pas sur YouTube, que ça soit les vidéos face cam, les vidéos blabla, girl talk, diet talk. Vous voyez ce type de vidéo là où je suis dans ma chambre en train de vous parler d'un sujet ou des vlogs d'ailleurs. Concernant la période qui va suivre, c'est-à-dire les vacances d'été, je ne vous promets pas de vous poster beaucoup de vidéos à la semaine. Comme je vous ai mis dans une story sur Instagram, ça sera une à trois vidéos. Et trois vidéos, c'est si vraiment j'ai le temps, si vraiment je suis assez productive. Sinon, ça sera une vidéo à deux vidéos pendant la semaine, pendant toute cette période d'été. Et pourquoi? Tout simplement parce que je suis submergée par rapport à pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, j'ai repris mon site internet Ajafit. Excusez-moi, j'ai cru entendre de la musique. J'ai repris mon site internet Ajafit, mon bébé. Je dois pas mal travailler sur mon bébé. Et je pense d'ailleurs que dans une semaine et demie, je vais vous poster un appel au recrutement pour recruter une assistante. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de produits qui sont en fin de conception. Juste des petits peaufinements à faire. Mais tout ça vous allez le comprendre dans ce vlog là et dans les vlogs à venir, ou si vous me suivez sur Instagram. Mais je suis vraiment concentrée sur ça. En plus de ça, j'étais concentrée vraiment sur le tournage de vidéos déjà face cam, parce que j'aimerais que toutes mes vidéos face cam pour l'été soient bouclées d'ici fin juin, début juillet, pour que je sois vraiment au calme et que je puisse me concentrer sur le fait de repartager un petit peu ma vie à la rentrée avec le back to school, etc. J'ai l'impression que quelqu'un qui arrive à chaque fois. Bref. Et en plus, j'étais concentrée sur le tournage des diet vlogs, mais les diet vlogs déménagent. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans le vlog, mais je ne vais plus les poster sur ma chaîne YouTube. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les ceux que je mange pour m'écrire, diet haul, diet talk. Je pense que j'ai pas posté le premier épisode d'ailleurs, des conseils éventuellement pour maigrir. Cependant, en ce qui concerne vraiment les programmes pour vous aider, il y aura les programmes. Normalement, je devais en sortir un, cependant, à cause d'un petit truc, il sortira l'année prochaine et vous allez comprendre pourquoi. Vraiment, soyez patients et patientes. Ça, c'est un autre projet également que j'ai en préparation entre guillemets depuis plusieurs semaines et qui a relancé tout d'ailleurs. Et sinon, les séances de coaching qui ont changé de fonctionnement. Donc, tout sera concentré là-bas à petit prix, bien évidemment, pour éviter de surcharger en fait la chaîne et que je devienne une chaîne totalement de régime. Alors certes, c'est une chaîne de perte de poids et je serai toujours dans cette niche. Cependant, j'ai envie d'être à moitié dans ma niche et à moitié dans la niche lifestyle, vlog, etc. Donc là, du coup, je vais aller regarder l'heure. Je vais aller prendre mon portable. Attendez, encore le temps. Parce que je viens de regarder l'heure sur mon ordinateur et il est 15h31. Attendez, j'ai reçu un message de la maîtresse de Joshua. Je pense que j'aurai une réponse que quand je vais rentrer. Moi qui commençais ce vlog de bonne humeur, les filles et les garçons, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un petit peu de musique parce que j'ai pas mal travaillé du coup toute la journée. Cependant, quand je vais rentrer, ça sera ménage. Et j'espère vraiment ne pas avoir du coup de nouvelles ou de propos agaçants en allant chercher les enfants. Cependant, je pense que ça sera un petit peu agaçant. Bref, c'est pas grave.
C'est pas grave. Excusez-moi, j'ai repris mes esprits. C'est vrai que dès que je reçois un appel ou un SMS de l'école, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je suis très stressée, j'ai peur des mauvaises nouvelles. Et en plus de ça, là, c'est par rapport à un sujet assez sensible. Surtout pour mon fils Joshua. À la limite, Ariel avait passé à autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais Joshua, c'est vraiment très compliqué pour lui. Mais bon, je vais voir ça quand je vais aller les chercher dans quelques minutes. Donc, j'étais en train de vous expliquer par rapport à l'absence de vlog. Même si j'ai repris, j'ai été plus ou moins constante dans mes promesses. Parce qu'il me semble que je vous avais dit que je posterais 2 vidéos par semaine, grand max. C'est que j'ai du mal à vlogger ici, dans le sens où j'ai l'impression de décevoir tout le monde. Étant donné que je suis en Martinique, j'ai l'impression de devoir sillonner la Martinique, alors que ma vie, franchement, c'est rester chez moi, aller à la plage des surfeurs, voir mon chéri surfer et travailler là-bas quand je l'accompagne là-bas, ou me reposer, parce que j'ai été énormément fatiguée à cause d'une condition médicale. Bref, ça, c'est autre chose. Sinon, je descends un petit peu au bourg de temps en temps, ou sinon je monte sur Trinité, et puis c'est tout. Ma vie, c'est vraiment ça. Et quand on réfléchit bien, ma vie, c'était ça en France, hein. Également, j'allais de temps en temps au centre commercial parce que j'avais la possibilité, étant donné que l'arrêt de bus était en face de la maison. Et là, c'est vrai que de temps en temps, je vais aussi au centre commercial, mais c'est rien de fou. C'est vrai que j'achète moins parce qu'il n'y a pas d'action ici. Mais par contre, je viens de découvrir que Zeeman a un site internet. Donc, je vais commander sur Zeeman et maman Nicole va envoyer ça pour moi. Donc je sortais légèrement plus en France, étant donné que il y avait des enseignes discount qui proposaient des trucs vraiment sympas pour les enfants. Cependant, je vis la même vie que je vivais en France. Mais c'est vrai qu'étant donné que je suis dans un climat, un endroit paradisiaque, on s'attend à ce que je sillonne un petit peu partout. Et au-delà de ça, c'est vrai que comment vous dire, c'est un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ici les gens me connaissent beaucoup plus par rapport à mon activité qu'en Hexagone, dans le sens où c'est vrai qu'en Hexagone je peux travailler, faire mes vlogs, raconter ma petite vie, aller à gauche à droite, faire mes diètes vlogs en incognito, c'est-à-dire que je vais rencontrer des personnes quotidiennement. Mais ces personnes, en fait, déjà vont me connaître que de mes vidéos. Ça ne va pas être mes voisins, ça ne va pas être les gens que je vais côtoyer. Les gens que je vais côtoyer vont connaître mon métier, mais ils vont déjà savoir qu'en fait, c'est non seulement une passion, mais un métier. Donc, m'en parler tout le temps, me dire c'est quand que le prochain vlog sort, c'est pas vraiment, je ne suis pas vraiment sur ça. Alors que si, c'est différent, c'est-à-dire que pour vivre ma vie incognito, c'est un peu plus compliqué. Alors que je ne suis pas une star en fait. Pour moi, une star ici, c'est KLH. Je ne suis pas une star et pourtant, on m'arrête très, 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 très souvent. Donc, vous savez, des fois, quand je fais des tonnerres d'idées, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était terrible. Franchement, c'était avec mon chéri par rapport à une histoire, c'était en public. Bref, c'était par rapport à quelque chose de très précis et de très. Bref. Je vous ai expliqué tout ça sur Instagram. C'est pas un problème qu'on a tous les deux dans notre couple ou quoi que ce soit. Je vous disais ça pourquoi? Ah, écoute, j'ai un trou de mémoire. Oui, je vous disais que du coup, les gens ils me voyaient faire mes vidéos, être machin, alors que oui, je suis capable de faire des tonnerres Didier. Alors qu'avant, je pouvais faire mes tonnerres Didier, me disputer avec mon ancien compagnon, faire mes macaqueries dans le scred. Mais là, je ne peux pas faire ma caquerie dans le scred et vivre ma vie de vlogueuse, qui est la réalité, hein, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que vous aurez un petit peu compris. C'est-à-dire qu'ici, tu es beaucoup plus connue facilement qu'en France. Et quand je dis connue, c'est connue, reconnue. Vous voyez, je ne me lance pas de fleurs avant que l'on me prenne à la gorge en commentaire. Bon. Je vais écouter un petit peu de musique et puis je vais aller chercher les enfants. Plusieurs jours plus tard, j'étais vraiment occupée ces derniers jours entre m'occuper des enfants, beaucoup travailler, passer du temps avec mon chéri et aussi regarder le Squid Game. Oui, je suis en retard. Mais de base,
J'avais capté le truc au début, hein, quand c'était écrit nouveauté sur Netflix, c'était en 2021. Je me rappelle, je venais de rencontrer mon chéri, mais quand justement je voulais regarder ça, mon chéri était là. Et en fait, il me disait, mais pourquoi tu vas regarder ça en fait? C'est hyper nul. Et je vais pas vous mentir que j'ai été bloquée un petit peu par le coréen, parce que j'ai du mal un petit peu avec... avec le coréen au niveau sonore, je trouve que ça me distrait beaucoup et je n'arrive pas à me concentrer, ben, ne serait-ce que sur les sous-titres. Après, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de regarder des films et des séries avec des sous-titres, parce que quand je regarde des films en anglais, je regarde sans sous-titres, ou même s'il y a des sous-titres, et ben je ne suis pas, parce que je comprends parfaitement entre guillemets l'anglais. Et pareil plus ou moins pour le japonais quand je regarde des dramas ou des documentaires du coup. Mais j'ai suivi et franchement j'ai avalé ça, mais vraiment à grande gorgée quoi. J'ai trop trop aimé. Dites-moi ce que vous en pensez les filles si vous avez regardé le Squid Game. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là aujourd'hui, quel jour aujourd'hui? Ben je suis avec les enfants, mais je ne me rappelle même plus quel jour on est. Je suis allée sur la Nintendo et Ariel est en train de regarder ses petites comptines. Et là, je vais profiter en fait pour ranger un petit peu la maison. Regardez, il y a le bac à linge qui traîne là, qui est tombé comme si, voilà. Des céréales qui traînent, Joshua qui traîne, du manger qui traîne que je dois ranger. Ah, bonjour! Il y a une bouteille d'alcool, mais moi je ne bois pas d'alcool. Qu'est-ce qu'on doit fêter, Joshua? Comme vient de dire Joshua, il y a une bouteille de HSE à la maison pour rien, parce qu'on n'a rien à fêter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu ma maison. Peut-être qu'on va faire un tour, mais vraiment un tour assez rapidement. Parce que je dois travailler et je pense que quand on sera au parc, si Dieu veut, je vais vous faire les annonces que je dois vous faire. Mais j'ai pas envie d'aller au parc non plus parce que les enfants aiment passer tout leur temps au parc et moi, je suis quand même restée casanière quand on regarde. J'ai eu ma période où je sortais beaucoup, même si finalement j'allais juste en bas ici. Mais j'aime bien rester chez moi, surtout ces jours-ci. Donc je range, je vais faire un bol. Vous verrez du coup la recette que je vais faire en détail lors d'un... Aux oreilles, je vais éteindre le ventilo. Je suis juste décalquée les filles et je devais travailler encore après. Je ne sais pas si je vais avoir la force parce que clairement attends. En plus, aujourd'hui soir de pleine lune, ici il y a toujours des choses bizarres qui se passent. C'est pour ça que moi, soir de pleine lune, je préfère rester chez moi. Et puis voilà. Avoir entendu quelque chose, mais tant mieux qu'il n'y ait rien. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un soir de pleine lune, il y a des choses bizarres qui se passent à chaque fois dans la commune. Bref, des loups-garous se réveillent, tout le monde commence à se transformer en loups-garous.
Enfin bref, j'ai l'impression que ça agit vraiment sur l'humeur des gens. J'étais en train de vous dire que je devais normalement travailler le soir parce que j'ai énormément de choses à faire, énormément de travail à rattraper. Cependant, entre l'air marin, parce que tout à l'heure, du coup, avant la piscine, eh ben, on était à la plage des surfeurs à Onze-Bonneville, comme d'habitude. Les enfants étaient en train de s'amuser, moi de travailler, et mon chéri en train de surfer. Après, on est allé à la piscine. Il a fallu que je fasse à manger, comme vous avez pu voir. Et il faut savoir que avant, pendant la matinée, on a passé une matinée d'enfer avec les enfants. Après cet événement, j'avais envie de me détendre un petit peu et d'aller chercher des céréales pour mes enfants et pour moi-même. Pour les enfants, ça allait être des céréales fourrées. Ils aiment beaucoup ça. Il n'y a que ces céréales qu'ils mangent alors que j'ai 36 000 modèles de céréales à la maison. Il n'y a que ceux-là qui mangent, qui finissent. Donc je suis obligée à chaque fois d'aller en chercher de nouveau. Si par exemple, je leur fais pas des petits nains, du petit nain pardon, le matin ou un autre petit déjeuner. Donc, et moi je suis partie m'acheter mes petits muesli aux amandes et les filles, je pensais pas me sortir de cette galère ce matin, je veux pas vous mentir, dans le sens où je suis dans les virages pour sortir de ma commune pour aller à Trinité, et puis au bout d'un moment je prends un virage, mais je me déporte un petit peu sur sur l'herbe en fait. Pour les personnes qui connaissent un petit peu les virages de ma commune, je me redresse, tout se passe bien, c'est quelque chose qui peut arriver, et puis tout d'un coup les filles ma voiture commence à secouer, à faire ce bruit là que je vous dis. Dieu merci, au bout d'un moment, encore pour une personne qui connaisse les virages de ma commune, il y a un endroit où on peut se poser, où on vend du poulet. Et je me pose, et là je vois quoi, les filles? Ça. Oui, c'était pas si grave que ça. Moi je pensais, à cause des secousses, à cause du bruit, que j'avais peut-être un problème au niveau de mon moteur. Mais alors que j'ai changé les pneus il y a même pas un mois, il y a un pneu, le pneu droit, qui a éclaté. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai changé mes pneus il y a un mois, et pour les personnes en fait qui ont regardé ma story sur mes problèmes administratifs, sur le fait d'avoir un travail à côté en attendant que mes problèmes administratifs se règlent, le jour où j'ai arrêté mon travail au Snack Élysée, c'est parce que mes pneus étaient lisses et que pour aller au Robert, il y avait un barrage de police, et qu'avec ces pneus-là, je n'avais pas du tout le passé. Donc suite au fait d'avoir arrêté à cause du barrage de police, j'ai directement changé mes pneus, mais j'avais abusé. À chaque fois que je disais que j'allais changer mes pneus aujourd'hui demain, je ne les ai pas changés, et finalement je les ai changés il y a un mois, et là ça éclate comme ça sur moi. Il faut savoir que moi, c'est vrai que peut-être que je suis une mauvaise foi, dans le sens où vous savez, le moment où j'ai passé le permis, moi il n'y avait pas les questions. Donc ça fait que ça soit mon auto-école classique ou mon auto-école en ligne qui m'ont permis d'avoir mon permis, ils ne m'ont pas appris les choses de base, comme changer un pneu, mettre un pneu de secours, regarder ce qu'il y a sous le capot. Je ne sais absolument pas ça. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée comme une bébête. Je ne pouvais appeler personne, dans le sens où les deux tantes de mes enfants étaient à Fort-de-France, donc trop loin. Papy de mes enfants, comme par hasard, ce jour-là, il avait une réunion. Et mon chéri, en fait, il était en train de dormir, il me semble, et il a cassé son portable. Donc, je ne pouvais pas l'appeler, je ne pouvais pas, selon moi, prendre le risque de redescendre dans ma commune. Dieu merci, une demi-heure plus tard, il y a un monsieur qui m'a changé ma roue, qui a mis la roue de secours. Sinon, ma roue de secours était pratiquement à plat. Donc, pour arriver pratiquement de beau séjour, je vous mettrai la carte
à Zone du Bac, ça m'a pris quoi, peut-être un quart d'heure, normalement c'est en 5 minutes, vous êtes arrivés, on a fait un embouteillage pas possible les filles. Finalement, on m'a rechangé mon pneu gratuitement et j'en suis super contente parce que c'était pas dans mon budget, même si j'ai un budget imprévu. D'ailleurs, parlant du budget, peut-être je vous ferai une vidéo, mais j'ai envie de faire le système d'enveloppe. Bon, finir ce vlog et je vais essayer de pas dépasser 10 minutes de mon travail. Je suis super contente d'avoir repris le travail, même si je vais pas vous mentir, je suis fatiguée entre remettre en place certaines choses par rapport au site et le développement de certains produits, le fait de devoir entre guillemets faire des vidéos, c'est très très fatigant, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de choses à vous partager, juste chaque chose dans son temps, et surtout que je dois fignoler certains produits pour ma boutique. Il y a un projet qui est disponible d'ailleurs en précommande, donc n'hésitez surtout pas à le précommander. Je ne vais pas vous spoiler ou vous présenter quoi que ce soit. Dès que la sortie officielle sera faite, et ben vous la verrez. Et si vous voulez précommander en attendant, c'est vous aussi. Et merci pour toutes les personnes qui m'ont précommandé. C'est juste fou. Concernant maintenant les diet vlogs, parce que c'est vrai que je viens, je pars, je viens, je dis que je reviens, je pars. Il faut savoir qu'ils ne seront plus disponibles sur la chaîne, mais directement en location streaming ou achat streaming sur Ajafit. Si vous regardez le site que je vous mets juste ici, vous pourrez tout voir. Quand la prochaine saison va sortir, et c'est une saison super spéciale, je peux rien dire, j'ai tellement envie de vous partager. Et ben, elle sera disponible là-bas. Et également, je voulais vous dire que le système de coaching a changé suite à, disons, mon expérience et les retours sur expérience. Et vous aussi, votre expérience, le fonctionnement a changé. Je vous mets encore le site et le lien du site en barre d'infos. Entre temps, l'URL est revenu à son URL racine, il va rechanger, mais l'URL racine qui est disponible en barre d'infos, et ben ça, et même si il change, et ben celui-là va toujours vous rediriger vers le site. Là c'est vrai que je suis assez occupée parce que je suis en train de finir pas mal de projets, je vous cache pas mal de choses, je vais pas vous mentir, oh là là, j'en suis même fatiguée de vous cacher des choses comme ça, mais c'est pour mon bien et surtout que demain je pense que je vais vlogger parce que j'ai une journée assez chargée. Justement, je vais vous montrer comment se passe vraiment une journée avec moi, mais je suis assez stressée, je vais pas vous mentir, parce que je récupère des examens médicaux. J'ai dû faire un bilan médical, mais je vous en parle dans le prochain vlog. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. I'm a liar.